Bonsoir à tous. Alors on commence ce nouveau jeudi de l'écologie sur le thème des arbres en ville. Merci à tous de vous être déplacés, d'être venus en présentiel nous retrouver pour cette fabuleuse table ronde. On ne pourrait pas commencer cette soirée sans remercier une nouvelle fois l'Académie du climat qui nous accueille. Je pense à Sarah Albi et toutes ses équipes qui nous permettent de disposer cette salle dans de très bonnes conditions. Et puis remercier la JJH, l'Association des journalistes pour des jardins et de l'horticulture, de s'associer à nous, les JNE. Nous sommes les journalistes et écrivains pour la nature et l'écologie. J'en suis le président, je m'appelle Antoine Bonfils et j'ai le plaisir de lancer ces jeudis de l'écologie et que nous co-animons donc avec la JJH. Juste pour vous dire que il y a l'arbre en ville, quand on a commencé à parler de ce sujet, évidemment pensez à cette fabuleuse chanson de Maxime Le Forestier que vous avez tous en tête, qui a été créée en 1972. Alors c'est marrant parce que c'est l'année de ma naissance, c'est une jolie coïncidence, et justement qui s'appelait comme un arbre. Alors sans plus attendre, je laisse la parole à Sylvie Ligny, qui est donc membre des journalistes et membre de la JJH, ainsi qu'à Isabelle Vaucansant, journaliste et membre de la JJH, et qui vont nous présenter leurs invités. Voilà. Et puis je vous retrouve tout à l'heure après cette fabuleuse table ronde. À tout à l'heure. Bonsoir. Merci d'être là. On va commencer par présenter nos invités. Nous accueillons donc Caroline Molly, qui est architecte paysagiste et auteur de « À l'ombre des arbres », qui est le livre qui est en vente à l'entrée de la salle. Nous accueillons Daniel Breuillet, ex-maire d'Arcueil, ex-sénateur écologiste, donc ex-élu, qui va nous parler de cette position-là. Et nous accueillons Anne Marchand, qui est chef d'unité patrimoine naturel des Hauts-de-Seine et présidente d'Ortis. Je vous laisserai dire après qui vous êtes. Sylvie Ligny, donc, qui est à la fois membre de la JJH et membre des JNE, comme moi. Et moi, je m'appelle Isabelle Vaucansant. Ce sont les arbres qui nous rassemblent ce soir. Les arbres dans les villes. Pourquoi ? La France, comme l'Europe, se réchauffe plus vite que le reste du globe. C'est plus 1,9 degré sur les 10 dernières années contre une moyenne pour la planète de 1,15 degré. Les projections climatiques montrent un réchauffement de 2 degrés à l'horizon 2030, plus 4 en 2100, et c'est attesté par le Haut Conseil du climat. Selon ONU Habitat, les villes comptent pour 78% de la consommation énergétique mondiale, et produisent plus de 60% des émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, elles représentent moins de 2% de la surface de la Terre. Aujourd'hui, ce dont on va vraiment traiter, c'est de la question de l'habitabilité des villes. Les rues imperméables, les revêtements sombres, la densité du bâti emmagasinent la chaleur la journée et la restituent la nuit. La concentration des activités humaines aggrave naturellement le phénomène. Dans une ville comme Lyon, le nombre d'épisodes de canicule pourrait plus que tripler pour atteindre 36 jours par an en 2070, avec des pics à près de 50 degrés. Paris, qui se réchauffe plus vite que le reste du monde, prévoit un réchauffement d'environ 3,8 degrés, et c'est une étude qui a été faite par la ville de Paris en 2021, d'ici la fin du siècle, et c'est un scénario considéré comme intermédiaire. Il y a un scénario qui est plus pessimiste, mais qui reste réaliste, où on envisage plus 6 degrés à Paris d'ici la fin du siècle. Ça veut dire des étés de plus en plus chauds qui attendent les citadins. Dans le scénario moyen, le nombre annuel de jours caniculaires passerait de 22 en 2050 à 34 à la fin du siècle, avec des pics de chaleur à 50 degrés qui s'imposeront alors aux Parisiens. Bon, je vais arrêter là l'avalanche de chiffres déprimants. Et on va poser la question à nos invités. En quoi les arbres
sont-ils des atouts pour les villes ? Top chrono, vous avez une heure. Je pense qu'il en faudrait davantage encore pour donner les avantages des arbres, je pense. Enfin, on va faire un tour de table et que, à cette occasion-là, présentez-vous un petit peu plus en détail également. Et donc, la première question que l'on souhaitait vous poser à chacun, c'était, pour vous, c'est quoi un arbre en ville ? Est-ce qu'un arbre en ville est si différent d'un arbre à la campagne ? Est-il différent d'un arbre en forêt ? D'un arbre sauvage ? Est-ce que c'est un arbre domestiqué ? Voilà, c'est quoi pour vous ? On va commencer avec vous, Caroline Molly. Bonsoir. Ça marche ? Oui. Bonsoir et merci d'être là. Alors, je suis moi-même, comme l'a dit Isabelle Vauconstant, je suis architecte paysagiste et j'ai eu la grande chance de pouvoir travailler pendant une quinzaine d'années dans le cadre du ministère de l'Environnement sur un programme de protection et de valorisation de l'arbre d'ornement. À l'époque, on appelait ça l'arbre d'ornement. L'arbre en ville, l'arbre dans les jardins. Et partant d'une situation assez catastrophique sur les arbres en général en France, le résultat des 30 glorieuses, élagage, massacrage, bon, évidemment, priorité à la circulation, à l'automobile et au béton. Et il m'a été demandé de donner un point de vue du ministère sur l'élagage. Et donc, j'ai commencé par là, par m'intéresser à l'élagage. Il n'y avait plus aucune compétence en France, plus d'école, plus rien du tout. On a été chercher en Angleterre et on a créé les premières écoles d'élagueurs, puis des écoles d'arboriculteurs, puis des écoles d'ingénieurs arboristes. Enfin, arboristes. Voilà, donc il y a maintenant aujourd'hui des compétences, ce qui est déjà pas mal. Et ayant travaillé dans ce cadre-là, j'ai eu pas mal de chance de pouvoir faire des études sociologiques, historiques, paysagères, phytosanitaires sur les arbres d'ornement. Et j'en ai, à la suite de ça, avec des expositions, des plaquettes, des machins, etc., j'ai commis un premier livre qui s'appelait « L'urbanisme végétal », puis repris ce livre sous le titre de « Des arbres dans la ville », qui a été publié chez Actes Sud. Et comme la situation ne s'améliorait toujours pas, à mon point de vue, je me suis poussée, oui, mais pour réécrire un troisième livre, pour répondre à cette question qui nous inquiète tous les uns les autres, que peuvent les arbres dans la ville et que font, qu'est-ce qui se passe actuellement en termes de politique publique sur les arbres, est-ce qu'ils seront à même de nous apporter la fraîcheur qu'on attend d'eux. Alors, qu'est-ce qu'un arbre ? Qu'est-ce qu'un arbre ? En ville. En ville, oui. Qu'est-ce qu'un arbre en ville ? Alors, un arbre en ville, c'est un arbre qui ne rapporte rien du tout. C'est-à-dire que ce n'est pas un arbre de forêt dont on peut tirer du profit pour du bois. Ce n'est pas un arbre de haie. Ce n'est pas un arbre de bosquet. Ce n'est pas un arbre fruitier. C'est pas un arbre. C'est un arbre qui est planté traditionnellement et historiquement pour le plaisir. Et le plaisir, c'est la fraîcheur, l'agrément, l'ombre, la beauté, l'esthétique de la ville. Et j'ai réfléchi avec ce livre sur l'appellation qui pourrait désigner cet arbre en ville. L'arbre hors forêt, c'est pas beau. L'arbre d'ornement, ça fait un peu trop décor. L'arbre ci, l'arbre ça. Et j'ai trouvé que le terme de arbre de compagnie était celui qui se rapprochait le plus de ce que moi je ressens des arbres dans la ville. En fait, ce sont des compagnons de tous les jours qui nous apportent rien sinon du plaisir. On peut parler aussi de l'apport plus quantitatif en termes d'oxygène, etc. Mais je veux dire, moi, en tant qu'esthète, c'est vraiment l'ombre. C'est pour ça que j'ai appelé mon livre « L'ombre des arbres ». C'est ça, c'est le bonheur d'être à côté d'un arbre et sous un arbre. Ok, poésie. Daniel Breuillet. Alors, vous, c'est avec un autre regard, hein, je vous laisserai vous présenter aussi plus longuement que ce que Isabelle a pu en dire.
Et vous, c'est avec le regard et l'œil de l'élu, qui n'est pas du tout dans la même temporalité que celle des arbres. Non, les élus ont en théorie un cycle de vie plus court que les arbres. Et je dis en théorie parce que je connais des élus qui ont quand même des durées d'activité assez importantes. Et hélas, les arbres, et notamment les arbres en ville, mais pas seulement, ont tendance aujourd'hui à avoir des cycles de vie raccourcis, assoiffés qu'ils sont ou malmenés qu'ils sont dans leur biotope. Donc, qu'est-ce qu'un arbre en ville pour un élu ? Vous pouvez vous présenter ? Donc, Daniel Breuillet, j'étais une vingtaine d'années maire de la ville d'Arcueil, qui est pas loin d'ici, banlieue sud, une ville qui vient de réouvrir la Bièvre, la seule rivière se jetant en Seine, de toutes les rivières franciliennes. J'ai été également vice-président du département du Val-de-Marne et sénateur, mais je vais peut-être parler de mon expérience de vice-président de la métropole du Grand Paris, puisque c'est un peu le sujet qui nous anime, le sujet des métropoles, de leur vivabilité, dans lequel j'occupais les fonctions en charge du développement naturel, de la nature en ville et de l'agriculture urbaine, et qui m'a donné un regard. Donc, en fait, l'arbre en ville pour les élus, il y a à peu près autant de regards qu'il n'y a d'élus, et parfois des regards qui peuvent être... ceux où on se dit qu'au fond l'arbre est un aspect du décor comme un mobilier urbain, comme un geste architectural, etc. Et d'autres qui, peut-être à l'autre bout de la chaîne de la considération, le regardent comme un élément du vivant, comme un élément aussi porteur de la biodiversité et porteur peut-être de la vivabilité de la ville. C'est évidemment, ma position est évidemment celle-là. Et je voudrais dire comment j'ai présenté un jour à la naissance de la métropole du Grand Paris le sujet majeur pour la plupart des élus qui étaient là et serons-nous la métropole la plus rayonnante du monde ? Est-ce que nous pouvons être la métropole, même plutôt que rayonnante, d'ailleurs c'était plutôt attractive du monde ? Et donc nous recevions énormément de projets de développement très importants. Et un jour, j'ai présenté une délibération en disant « Écoutez, on m'a proposé une innovation technologique de premier plan. Ça absorbe du CO2, ça dégage de l'oxygène, ça diminue les surchaleurs urbaines et ça apporte du bonheur aux gens. Ça lutte contre les inondations et c'est breveté depuis des milliers et des milliers d'années. Ça s'appelle des arbres. » Ça tombe jamais en panne et ça râle pas. Voilà. Et ça s'appelle des arbres. Et on a fait adopter un plan arbre. Enfin, aujourd'hui, beaucoup de collectivités ont un plan arbre. Mais la seule chose que je voudrais dire, c'est que je m'intéresse aux arbres et je m'intéresse d'abord aux écosystèmes qui leur rendent la vie possible et agréable. Parce que un jour, Francis Allais me disait « Les arbres en ville souffrent trop pour que je m'y intéresse ». Je lui dis « Mais moi, c'est aussi parce que les humains souffrent autant que je m'intéresse aux arbres en ville. Et il faut bien s'intéresser à leur donner de meilleures conditions de vie aussi pour eux et pour nous. Et puis aussi pour le sujet de la biodiversité. J'en profite pour une page de publicité. La métropole a commis cet arbre avec le joli titre que vous évoquez de Maxime Le Forestier, « Un arbre dans la ville ». Ce n'est pas un ouvrage sur les arbres, bien qu'on y montre des arbres remarquables. C'est un ouvrage sur la biodiversité dans la métropole. Et je pense que lorsqu'on parle des arbres dans la ville, il faut penser les arbres dans l'espace du vivant et pas uniquement les arbres en tant que sujet, mais bien les arbres à l'intérieur des écosystèmes qui les nourrissent et qui leur permettent de nous rendre la vie agréable. D'accord. Merci, Daniel. Je pense qu'on y reviendra un petit peu plus tard en disant effectivement... un arbre mobilier ou un arbre écosystème. Donc ça, on y reviendra. Et on parlera des forêts urbaines, notamment, avec ce qualificatif un peu... Bon, bref. Anne Marchand. Bonsoir. Ben, merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Alors, pour me présenter, j'ai envie de vous dire que, d'un point de vue technique, je suis ingénieure, mais comme vous avez cité Francis Allais, moi aussi, que j'aime beaucoup... dans les échanges qu'il a, je dirais, avec nous, les professionnels de la nature en ville et notamment du service public, il nous décrit comme les gens qui font le plus beau métier du monde. Et ce plus beau métier du monde, bah, c'est tout simplement de planter des arbres. C'est ce qu'on essaye de faire au mieux. Et je dirais que pour me présenter, toute ma carrière aujourd'hui tourne autour des arbres.
J'ai fait des études d'abord dans le domaine forestier, donc plutôt voilà, pour acquérir des connaissances dans la sylviculture. Je me suis intéressée justement après à l'arboriculture urbaine, où j'ai démarré ma carrière justement comme gestionnaire d'arbres. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour la ville de Versailles. Voilà. J'ai repris des études, encore pour m'intéresser aux arbres, et là des études d'historienne, donc plutôt pour s'intéresser justement dans le cadre de la connaissance des paysages ou de l'histoire tout simplement aussi, comment dire, des jardins au niveau national. Et je me suis intéressée pour mon mémoire de master sur les allées d'arbres. Voilà, donc en faisant un espèce de panorama et un petit tour du monde entre justement les évolutions, l'installation des arbres en ville qu'on a débuté notamment à Paris au milieu du 19e siècle avec les travaux d'Alphand, voilà, qui a institué justement ce paysage arboré qu'on connaît aujourd'hui dans Paris. Je me suis intéressée à la ville de New York aussi, de voir comment justement des villes dans un nouveau pays pouvaient s'aménager, donc avec des points de vue de paysagistes, des points de vue de paysage et des points de vue aussi d'ingénieurs, parce que cette période-là, elle est très importante pour les gens comme moi et pour notre métier, parce que c'est vraiment le début de l'aménagement urbain et justement de la création du savoir, de la création de la compétence, de qu'est-ce que c'est que justement un arboriste ou un ingénieur arboriste en ville, comment on adapte justement la ville à la présence des arbres. Voilà, dans ma carrière et à cette occasion, en travaillant toujours à la ville de Versailles, j'ai pu avoir le prix national de l'arbre aussi. Donc ça, c'est une récompense qui est donnée par le Conseil national des villes et villages fleuris à toutes les collectivités en France. Donc c'est un prix qui existe depuis 1989, donc a été récipiendaire en 2004. Donc c'est une reconnaissance aussi des savoir-faire et des méthodes de travail qu'on essaye de mettre en place. Et aujourd'hui, je m'intéresse plus à l'arbre dans le milieu naturel, puisque je m'occupe de patrimoine naturel. Donc c'est l'arbre, justement, même en ville, qui se développe dans un milieu naturel, parce que même en ville, on a encore quand même des espaces de nature qui existent. Donc, le département des Hauts-de-Seine est propriétaire et gestionnaire du parc de Sceaux. Donc là, on a une collection et des plantations d'arbres qui sont assez remarquables en termes de patrimoine auxquels on fait très attention. Voilà, je dirais qu'aujourd'hui, nous, je représente aussi, je dirais, une des plus... l'ensemble des techniciens, des ingénieurs et des responsables de patrimoine de nature, d'espace de nature en ville. On a la chance de pouvoir faire ce métier. On se donne beaucoup pour faire au mieux. Bien sûr, aujourd'hui, il y a des débats par rapport à ces questions-là. Aujourd'hui, l'arbre est un bien commun. Il y a un travail d'intérêt général. Toutes ces questions-là à se poser par rapport à sa place, par rapport aussi aux enjeux de société. Puisqu'aujourd'hui, on est passé de l'ornement justement à l'infrastructure verte. On travaille plutôt sur ces aspects-là aujourd'hui. Donc comme on a fait des routes, des infrastructures pour pouvoir bouger, aujourd'hui on crée aussi des infrastructures vertes pour que l'humain puisse bouger dans de bonnes conditions. Adoucir aussi forcément le climat de la ville, faire en sorte que les habitants en milieu urbain aussi aient plus de bien-être. Et je dirais que l'aspect culturel, moi qui est quelque chose qui est déterminant dans ma carrière et aussi très important à l'arbre, c'est à peu près, je dirais peut-être le premier, quand on habite en ville, le premier élément vivant, entre guillemets non humain, en dehors des animaux domestiques, qu'on peut rencontrer en fait dans son paysage urbain. Donc c'est un élément de repère qui est très important. Voilà, il marque les saisons. Quand on a, différentes sensations dans sa vie ou dans sa journée, on peut se référer à des arbres. Enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose à laquelle je suis assez sensible. Donc, les arbres résonnent en nous comme quelque chose. Je ne sais pas si c'est Francis Allais qui disait ça, mais en tout cas, du fait qu'on est à un moment devenu des bipèdes, qu'on est descendu des arbres, peut-être entre guillemets, et que ce lien qu'on a, qui est inconditionnel aujourd'hui et multiculturel avec l'ensemble des humains, c'est quelque chose.
les arbres et Francis Allais, ça, c'est insupportable. Merci. Bon, on reviendra de toute façon, puisque c'est une très bonne transition. Puisque la question que je voulais poser, c'est de savoir si les arbres étaient heureux en ville, justement. Caroline, je sais que vous travaillez là-dessus depuis très longtemps. Vous avez été presque l'une des esselées à dénoncer les conditions de mal-être des arbres qu'on pouvait planter dans des conditions horribles. Alors, je n'ai pas été la première. Parce que lorsque j'ai été invitée à travailler sur ce programme, les responsables des services espaces verts de l'époque, c'est-à-dire dans les années 70, s'étaient déjà alertés. Ils avaient essayé d'alerter les ministères de tutelle, l'agriculture et tout ça, ça n'avait rien donné. À l'époque, dans les années 70, les 30 glorieuses, que certains appellent les 30 désastreuses, en ce qui nous concerne pour nos arbres chéris. Donc à cette époque-là, c'est vrai qu'un arbre ne valait pas cher. On le coupait, on le taillait, on l'élaguait. Et à cette époque-là, ont été inventées la tronçonneuse, la grande échelle. Les personnels de voirie n'étaient pas compétents, donc ils coupaient. On leur disait, ça nous gêne, ce truc-là, on coupe, etc. Et donc il y a eu vraiment du massacre, mais qui date de ces années 50, 60, 70. Et curieusement, il y a un savoir-faire qui a disparu. Comme je vous ai dit, quand je me suis intéressée à l'élagage, personne ne savait plus rien. On a été chercher les compétences en Angleterre quand même. Et là, les habitudes se sont prises. Les gens ont vu que les services techniques des villes élaguaient leurs arbres. Ils ont commencé à les couper parce que, comme ça vient de l'autorité, on le fait nous aussi. Et il s'est installé une espèce de faux discours qui fait dire « Ah mais madame, il faut les élaguer parce que ça leur fait du bien. » Ah mais madame, il faut les élaguer parce que ça évite les catastrophes, les dangers, les choses comme ça. » Bon, exactement, mais comment font nos voisins étrangers, comment font les Anglais, les Danois, les Allemands, etc., qui n'élaguent pas leurs arbres comme nous le faisons. Donc c'est une histoire, c'est une espèce de contre-culture qui est ancrée chez beaucoup de personnes, chez des techniciens, et c'est extrêmement difficile pour moi, enfin, j'entends tout ça tout le temps, en permanence, mais madame, ça leur fait du bien, de revenir là-dessus. Parce que, comme vous le dites, c'est faux, ça ne leur fait pas du bien, c'est faux, ça les rend dangereux, et ça casse aussi les milieux de biodiversité, tout ça. Et donc, quelle était la question ? L'arbre en ville est-il heureux ? Alors, est-ce qu'ils sont heureux ? Ben non, ils ne sont pas heureux. Donc, d'une part parce qu'ils sont trop taillés, que chaque fois qu'on les taille, il faut qu'ils redonnent encore un coup d'énergie pour repousser. Ils ne sont pas heureux parce que leurs racines poussent dans des conditions quand même extrêmement difficiles, sèches, des trous d'arbres trop étroits, l'espérance de vie d'un arbre, d'un platane, un truc comme ça, elle est fixée à peu près à 60-70 ans. C'est ce que disait M. Bruyet. Ils ont une vie plus courte que la nôtre, bien souvent, ce qui n'est pas normal. Donc, revenir, pour moi, la bataille contre l'élagage, c'est la première des batailles qu'il faut mener. Parce que je ne comprends pas comment est-ce qu'on nous dit d'un côté il faut planter, il faut des belles couronnes, il faut du feuillage, il faut de l'ombre, il faut de l'oxygène, etc. Et puis ces mêmes personnes ou presque vont vous dire mais on va les couper, ça leur fait du bien. Vous voyez, on est dans une espèce de situation paradoxale dont il est extrêmement difficile de sortir aujourd'hui. Quasiment la même chose pour ce qui est... Et on est quasiment dans la même situation par rapport à la coupe. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut planter des arbres, mais on les coupe. Oui, mais c'est ce que j'ai, oui. Mais non, on les élève pas seulement. Ah oui. Oui, et on les coupe avec des argumentaires. Je vais prôner contre ma paroisse des élus, avec des argumentaires parfois plus que légers. Non, mais je le coupe, mais je vais replanter deux. Et on va replanter de baliveaux comme ça pour avoir coupé un arbre adulte qui avait 50 ans, une canopée magnifique et qui abritait... La fameuse histoire de la compensation qui compense rien. Oui, donc en fait, ce sont les fausses compensations, mais sont... Je veux plaider quand même pour les maires après avoir dit qu'on pouvait prendre de mauvaises décisions.
Vous savez, quand vous êtes maire, vous êtes un généraliste. Et vous avez à vous intéresser à une multitude de sujets dans lesquels les sujets du vivant, de la nature en ville, sont un des sujets. Mais il y a évidemment les sujets sociaux, économiques, de mobilité, de transport, d'éducation, etc. Et donc, personne n'a la science infuse. Et il y a un problème d'acculturation des élus qui, aujourd'hui, est très insuffisant. Par exemple, cette histoire, quand j'étais jeune maire, on m'a dit... Non, mais ça leur fait du bien d'élaguer des arbres. Parce que j'ai questionné, j'avais fait des études de biologie, je trouve, voilà. Bon, et je questionne en disant, mais pourquoi sur les voies départementales, on fait une taille comme ça, franchement, est-ce bien ? Elle me dit, non, mais c'est très bon pour les arbres. Bon, vous dites rien, mais après vous allez vous renseigner, etc. Mais tous les élus ne font pas cette démarche. Je voudrais dire une autre souffrance des arbres. En ville, les arbres souffrent parce qu'on leur malmène les racines. Alors, culturation des élus et des services municipaux, parce que les services des parcs et jardins connaissent ça par cœur, mais c'est moins vrai des services de voirie, c'est moins vrai. Donc il y a une bataille des compétences et il y a une question d'acculturation collective. Et je vais finir avec un contrepoint. Les arbres en ville vivent parfois mieux que dans les forêts où ils sont élevés pour être utilisé en monoculture, etc. Il suffit de se promener, de voir l'état des forêts après des années de sécheresse, comme on vient de voir. Souvent en ville, on a la chance d'avoir un patrimoine d'arbres assez diversifié, qui du coup a une capacité de robustesse accrue, peut-être par cette diversification du végétal qui existe moins dans les forêts. Francis Allais ne les appelle pas des forêts d'ailleurs, mais des élevages d'arbres, mais qui existe moins dans beaucoup de nos forêts recensées comme telles. Donc les arbres en ville parfois vivent très bien, et dans ce livre, il y a quelques-uns des arbres remarquables qui existent sur cette métropole francilienne, qu'on regarde plutôt pour les tours de la Défense que pour ces arbres remarquables, mais il y a de magnifiques arbres dans beaucoup des territoires métropolitains, et il faut y veiller comme à la prunelle de nos yeux pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils nous apportent et pour ce qu'ils apportent au reste du vivant. Vénérable citoyen. Plante et cité, vous avez cité justement cet organisme. Anne, tu peux nous en dire quelques mots, parce que justement, ils œuvrent aujourd'hui beaucoup pour une meilleure connaissance et une modification aussi de la manière de travailler. Oui, ben, je suis d'accord justement avec M. Breuillet sur la bataille des compétences. Pardon. C'est vraiment un de nos fers de lance, je dirais, dans l'association Ortis, puisque je dirais que l'arboriculture ornementale, on a encore juste beaucoup de choses à apprendre. Ortis, oui. C'est qui ? Alors Ortis, c'est l'association des responsables d'espaces de nature en ville. Donc on représente plutôt les services techniques et d'ingénierie. Et justement, cette ingénierie, elle est très récente, en fait. Donc, il faut être assez humble et on a encore beaucoup de choses à apprendre, puisque d'un point de vue, c'est vrai qu'en ville, on est un peu à la croisée des chemins entre, je dirais, des savoirs de sylviculture et aussi des savoirs qui sont hérités soit de l'horticulture ou soit des sciences du paysage, en fait. Donc, on est un peu dans cet interstice-là. Et il y a un fait aussi aujourd'hui, c'est qu'on demande beaucoup plus de nature en ville. Donc ça, c'est très bien. On sait tous que c'est,
comment dire, une des raisons principales aussi de l'amélioration du bien-être en ville. La compétence des arboristes, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'écoles, en fait, hein, qui forment ces personnes-là. Donc j'encourage, s'il y a des gens dont c'est la vocation, l'envie, ou en tout cas le fait d'avoir envie de travailler dans ce domaine-là, on cherche énormément, en fait, de personnes pour travailler dans nos services et pour travailler justement sur ce type d'ingénierie qui est très spécialisée, en fait. Qui est très spécialisé parce que ça a été rappelé, il y a les conditions de plantation, donc savoir bien planter le bon arbre au bon endroit. Aujourd'hui, on se pose aussi des questions de climat, on se pose des questions aussi de microclimat par rapport à la ville pour essayer d'adapter une palette végétale du mieux possible. Et ça, effectivement, Planter Cité, qui est donc un centre d'ingénierie qui regroupe à la fois... Donc c'est une association à la base qui est très intéressante parce qu'elle permet de bâtir des programmes de recherche, de confronter ces programmes de recherche avec à la fois donc, des gens de l'art, on va dire, donc ingénieurs, techniciens, spécialistes, des scientifiques, mais aussi des élus. Donc c'est vraiment un espace de dialogue et d'échange où on parle de choses, je dirais, techniques, mais concrètes, opérationnelles, pour tester des solutions, savoir si ça marche, si ça marche pas. Effectivement, aujourd'hui, au sein de Planter Cité, on a plusieurs programmes de recherche, à la fois pour tester l'adaptation au changement climatique, pour aussi, on l'a dit, par rapport au système racinaire, donc c'est tester aussi des dispositifs pour protéger les réseaux racinaires, et comment on intègre aussi les VRD par rapport à la présence des arbres. VRD, c'est les voiries réseaux, ces acronymes, mais c'est tout ce qui concerne, en fait, le savoir d'aménagement et de gestion de la voirie, des eaux pluviales aussi. À Planter Cité, on a aussi un programme qui s'appelle AMAR. Donc ce programme, il est basé sur le recensement des phénomènes de mortalité des arbres en ville. Donc ça veut dire que à chaque fois qu'on a des arbres qui meurent dans ce programme, on a tout un questionnaire, des référencements et l'interrogation aussi de spécialistes, en quelque sorte de docteurs pour arbres, pour savoir qualifier, en fait, si c'est des conditions climatiques qui sont responsables de la mort des arbres ou si c'est une pathologie, parce que ça arrive aussi, même si les arbres poussent très bien, comme n'importe quel humain aussi, peuvent être confrontés à des maladies. Donc c'est vraiment de distinguer tout ça, d'avoir un point de vue scientifique. On a aussi un programme qui va être lancé à partir de l'année prochaine, qui s'appelle GEPAT, donc sur la gestion du patrimoine arboré, notamment sur la façon dont on fait des plans de gestion du patrimoine arboré. C'est une vraie question aujourd'hui, parce que au niveau de la loi, aujourd'hui, les allées d'arbres sont protégées, que ce soit en ville ou que ce soit aussi dans les parcs et jardins. Donc elles sont protégées, et ça veut dire que quand on est obligé de faire ou quand on a des coupes d'arbres à faire, il faut aujourd'hui le justifier. Donc c'est une législation qui est intégrée au niveau de l'État. Donc ça veut dire que chaque propriétaire qui veut abattre un arbre à un moment donné est obligé de le justifier au niveau de la préfecture. Donc c'est une nouvelle instruction. Oui, public. Sachant quand même que les villes outrepassent très largement la loi et très régulièrement, et qu'elles le font en toute illégalité. Alors, bon, ça, je répondrai pas sur ce point de vue-là, mais ce que je veux dire, en fait, hein, c'est qu'aujourd'hui, d'un point de vue technique, le rôle des compétences et l'organisation, en fait, de nos savoir-faire et la façon dont on les met en œuvre sur le terrain, je dirais qu'aujourd'hui, ça va dans le sens de l'amélioration du service, dans l'amélioration des compétences et dans l'amélioration du savoir-faire scientifique. Il y a beaucoup de choses encore à connaître sur l'impact justement des élagages, sur l'impact de la biodiversité, puisque les écosystèmes en milieu urbain sont quand même très récents aussi. Donc tout ça s'analyse. On fonctionne dans des systèmes d'amélioration continue. Et aujourd'hui, je dirais qu'avec tous ces savoir-faire, le nombre de techniciens et de responsables qui existent aujourd'hui fait que on est dans un travail qui progresse malgré tout, malgré le fait qu'effectivement il y a des choses sans doute qui sont moins bien faites, je dirais.
En somme, quand même, aujourd'hui, il faut aussi s'interroger sur l'évolution de la ville et comment on fait la ville, comment on l'aménage. Et du coup, pour le patrimoine qui existe, c'est aussi de s'interroger sur la valeur qu'on peut donner aux arbres. Ça, c'est des questions aussi qui sont étudiées. Et ces questionnements, ils ne peuvent pas être juste gérés par... c'est collectif, en fait, aujourd'hui. Donc ça doit faire partie de projets de démocratie participative et de projets comme ça qui permettent, en fait... de remettre l'arbre au centre, effectivement, de s'interroger en fait sur les paysages qu'on a réalisés, la protection patrimoniale, tous ces sujets-là sont très intéressants, en plus de l'aspect technique aussi à étudier aujourd'hui. Daniel, on parlait tout à l'heure de charte de l'arbre. Vous disiez qu'il y en avait dans presque toutes les villes, les chartes de l'arbre, enfin, dans beaucoup de villes. Et moi, j'habite dans une ville où il y a une magnifique charte de l'arbre. Il y a même des promesses de planter plein d'arbres, 5 000, 10 000, enfin on ne sait plus où mettre les chiffres, mais on abat des arbres qui ont 80 ans. Qu'est-ce qu'on a sous des prétextes fallacieux? Alors en général, les arbres commencent par être gênants, après ils sont malades, après ils sont encore plus malades, puis quand ils n'ont pas eu une maladie, quand on n'a pas pu prouver une maladie, on leur en trouve une autre, après ils sont dangereux, et enfin pour finir, ils sont abattus, et en fait personne ne sait pourquoi. Ils sont parfois abattus nuitamment pour être sûr qu'il n'y a pas de citoyens qui viennent s'y opposer. Vous avez hélas raison. Je pense qu'il y a vraiment une question de hiérarchie des priorités. Tout à l'heure, vous évoquez Paris à 50 degrés, qui est un travail de recherche qui a été fait par les équipes parisiennes sur les risques climatiques réels. Ce ne sont pas des risques de dramatisation excessive, ce sont des risques réels. Et comment on vit dans une métropole à 50 degrés? Moi, j'avais commis il y a 6-7 ans un article qui disait « La métropole sera verte ou invivable ». Et je valide le point de vue de cet article. C'était un article qui appelait à une coopération avec le privé et à poser deux types de solutions. D'abord, des solutions réglementaires en termes de protection du végétal, par exemple, mais aussi des terres non bâties, donc d'avoir une protection absolue et de dire on ne doit rebâtir que sur les espaces déjà bâtis et plutôt désimperméabilisés. Il y a 81 des 131 communes de la métropole parisienne qui sont carencées en espaces verts, qui ont moins de 10 mètres carrés d'espaces verts par habitant, normes internationalement reconnues, on peut la discuter, mais ça dit quelque chose. Et ce sont aussi, d'ailleurs, dans ces 81 villes, mais quasiment dans les 131 villes de la métropole, que nous connaissons des surchaleurs urbaines de plus 3, plus 4, voire plus 6 degrés. Au passage, tout à l'heure, on parlait des services des arbres sur le service qui tempère les chaleurs extrêmes. Aujourd'hui, beaucoup de foyers s'équipent de climatiseurs dans la métropole. Presque tous les immeubles tertiaires, en tous les cas ceux qui ont quelques années, sont équipés de climatiseurs. On a eu un incident grave sur un réseau électrique francilien qui a été lié à une surconsommation en période estivale. Tout le monde croit qu'on consomme beaucoup d'énergie l'hiver pour se chauffer. On en consomme plus aujourd'hui l'été pour se rafraîchir. Si chaque foyer francilien est équipé d'un climatiseur, au plus 4, plus 5 ou plus 6 degrés, vous en rajoutez minimum 2 à 3 degrés. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de solution par la climatisation apportée au problème de surchaleur, et donc où est la solution pour que la métropole reste vivable? Elle est dans une renaturation la plus importante possible et la plus profonde possible. Elle doit donc associer le public, que vous représentez au nom des techniciens, que je représente comme élu, mais aussi le privé, qui a d'ailleurs une capacité, 80% de la ville est le fait du privé, de construction privée. Donc c'est très important d'avoir à la fois un entraînement à la bonne volonté, il y a des labels biodiversité, il y a des organismes évidemment du paysage, de l'horticulture, etc., qui militent pour progresser dans l'aménagement de la ville. Mais c'est très important aussi pour moi d'avoir des règles et des financements. Donc moi, dans mon appel, je proposais modestement, comme on a créé le 1% culturel
Malraux, enfin à l'époque, il y a je ne sais pas combien, 60 ans, on crée de 1% pour que la culture soit partout. Moi, j'avais proposé un 5% nature, c'est-à-dire de dire que tout projet de construction immobilière ou d'aménagement doit consacrer à minima 5% de son budget, soit à la renaturation sur place, soit à un fonds de renaturation de la métropole parisienne. Donc je crois que si on ne fait pas, si on ne prend pas la mesure des changements climatiques qui sont devant nous, là je parle de l'intérêt des humains, mais les arbres ont d'autres intérêts pour d'autres strates du vivant, pour d'autres éléments de la biodiversité. Mais pour nous humains, simplement pour nous, si on veut que cette capitale, puisque c'était le thème, soit attractive, rayonne au plan international, eh bien il faut qu'elle soit vivable. Et Alphand a fait à Paris un progrès inimaginable, magnifique, mais aujourd'hui, je pense que nous sommes devant la même exigence de saut qualitatif. Donc commençons par préserver tous les espaces non bâtis. Soutenons, c'est très bien, les villes qui ont des programmes de plantation, mais à condition qu'on ne vienne pas les gâcher en massacrant des arbres qui ne demandent qu'à vivre. Il y a des exemples, on peut construire et considérer. Avec Planté Cité, on avait fait une journée à Créteil avec la métropole du Grand Paris. On parlait de cette question de donner une valeur aux arbres en fonction de leur âge et des services écosystémiques qu'ils rendent. Donc peut-être en prenant comme critère la largeur du tronc ou je ne sais quoi. Enfin, bon, je laisse les professionnels décider de ça. Moi, j'étais assez hésitant parce que donner une valeur au vivant, c'est toujours... Il y a une ambiguïté derrière cette chose-là. Après tout, on peut se dire, les gens qui ont pas mal d'argent, bah, si ça coûte 10 000 euros d'abattre un arbre, c'est pas grave, dans le bilan immobilier, j'abats mon arbre, alors qu'il faut commencer, comme dans toute séquence écologique, par éviter avant de compenser. Donc éviter d'abattre un arbre avant de se demander si on va le compenser. Donc je pense qu'il faut des outils financiers. Ce 5% visait à donner des moyens à la métropole du Grand Paris pour se renaturer à l'échelle du défi qui est devant nous, du défi climatique, mais aussi du défi de la biodiversité. J'y insiste parce qu'on en parle très rarement. Le vivant, c'est très important. Et pas seulement les arbres, également les insectes. Toutes les villes ont maintenant des ruches, mais les abeilles ont besoin de se nourrir. Enfin, voilà. Donc, moi, je suis aujourd'hui un ardent défenseur du vivant. Et je dis vive les arbres et vive le vivant, qui est la condition pour nous-mêmes d'une vie heureuse dans cette métropole. Bon, merci pour ce plaidoyer en faveur des arbres. Mais, alors, effectivement, les effets d'annonce sur on plante 1000, 10 000, 1 million, hein, on est au million maintenant d'arbres. Mais on les plante comment, ces arbres? On vérifie après qu'ils restent vivants? Est-ce qu'on les plante aujourd'hui différemment? Est-ce qu'on est obligé de les planter différemment aujourd'hui? Et quels sont les accompagnants de l'arbre? Il ne va pas faire le boulot tout seul, je suppose, l'arbre. Donc, il y a quoi dans, comment on plante aujourd'hui? Comment on fait en sorte que cette renaturation soit couronnée de succès? Et soit pas un échec, parce qu'on va s'apercevoir au bout de quelques années que ben, la moitié des arbres qui faisaient partie de ce million ont disparu. Avant de répondre à votre question, j'insisterai beaucoup sur... on a parlé des plans arbres, des chartes de l'arbre, des choses comme ça. C'est vrai que c'est, disons que ça fait bien dans la communication municipale de faire une charte de l'arbre, tout le monde est content, etc. Le problème, c'est ensuite de la suivre et de la mettre en application. Donc, je me méfie un petit peu des mots et la charte de l'arbre, bon, ok. Déjà, c'est une première, initiative de table ronde, de faire tourner l'information entre la municipalité et les habitants, et puis dans les différents services techniques de la ville, c'est-à-dire le service environnement espace vert, le service voirie, le service équipement, le service logement social et tout ça. Et donc, pour moi, une attitude de un peu raisonnable par rapport à un plan arbre sur le long terme, Il faut vraiment que nous ayons en tête que c'est les générations futures qui vont bénéficier
de ce dont nous bénéficions aujourd'hui, parce que les arbres étaient relativement bien plantés il y a quand même 60 ans. Donc on a une espèce de devoir de perpétration du patrimoine. Il y a une première une priorité qui est déjà de faire un état du patrimoine existant, qui n'est pas vraiment fait, mais sérieux par des personnes très compétentes qui peuvent donner un état sanitaire, un état de la dangerosité des arbres et comment est-ce qu'on peut valoriser ce patrimoine. Parce que vous avez compris, on en parle pas mal en ce moment, l'importance de l'imperméabilisation du sol, l'importance du stockage de l'eau dans les sous-sols urbains. Bon, il y a déjà ça qui est très très important. On a du patrimoine, il est malmené et il a eu très chaud ces dernières années et il faut vraiment tout faire pour le sauver, quitte même, et là je vais peut-être en choquer certains, à abattre quelques arbres pour donner aux plus valeureux ou aux plus vaillants la possibilité de se développer grand et beau et fort. Je plaide en faveur de moins d'arbres et plus magnifiques. Parce que plus vous avez... Je me permets de terminer. Plus vous avez une belle couronne, plus nombreuses sont les feuilles, plus vous avez une machine, une usine, vous avez d'évapotranspiration, et moins vous avez besoin de climatiseurs. Donc c'est vraiment le volume de feuillage, la qualité du feuillage, la qualité de la vie de l'arbre qui est en jeu. Et pour avoir ce beau feuillage, il faut que l'arbre puisse plonger ses racines et aller chercher l'eau. Donc le vrai problème, c'est comment faire de grands et beaux arbres. Comment planter de grands et beaux arbres. Il n'y a que ça. Enfin, je veux dire, vous avez vous-même votre expérience personnelle, c'est au pied d'un arbre adulte, beau et magnifique, que l'on se sent le mieux, on le voit tout de suite. Bon. Donc ça me semble être une priorité. Ensuite de ça, la question du nombre d'arbres à planter, il viendra après, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est de faire un état des lieux de la ville et de négocier, de discuter avec tous les services concernés, notamment le service de la voirie, pour savoir où on peut planter pour demain. C'est-à-dire, où est-ce qu'on peut désimperméabiliser, où est-ce qu'on peut, entre les réseaux, entre les machins, entre ces trucs-là, quels sont les lieux, quels sont les endroits, avec un plan de paysage, bien sûr, parce que, comme je vous l'ai dit, il faut que ces lieux soient agréables, c'est pas uniquement des usines à faire de l'oxygène, il faut que la ville soit belle, il faut qu'elle soit joyeuse, il faut qu'on se sente bien. Donc, ce travail, il est très, très, très difficile à mettre en œuvre. J'ai un ami qui est adjoint au maire à l'urbanisme à Avignon et qui me dit... Pour passer d'un sol imperméabilisé à un sol pavé à joints vifs, c'est-à-dire sans imperméabilisation, il a fallu 3 ans de négociations avec les services de voirie, parce que les services de voirie, ils ont l'habitude de faire leur truc, comme ça, ils disent « Oh, mais c'est compliqué, oh, mais on peut faire ça, mais si, mais ça, etc. » Bon, pareil pour les réseaux, c'est plus facile. Les cours d'école et tout ça, il y a vraiment une culture, vous l'avez dit, un objectif qui doit être un objectif commun vers lequel il faut que tout le monde tende. Et bon, on y arrive dans certaines conditions, mais c'est vraiment encore extrêmement difficile. Je vous parlais de l'élagage. Le nombre de gens qui vous disent ça leur fait du bien, ça continue. Et pour ça, il faut aussi, je pense, avoir des campagnes très offensives vis-à-vis du public, vis-à-vis des citadins, parce que c'est eux qui possèdent les 70% des communes en général, qui ont des arbres et qui continuent aussi, eux aussi, à faire, en toute bonne volonté, à faire des choses qui ne sont pas favorables à un enracinement du patrimoine arboré pour le futur. C'est un changement radical de paradigme, d'une part. On est dans un paradigme de la ville vivable et supportable, on y aspire, mais les habitudes, les, les, les,
Le bulldozer est en marche et il n'arrive pas à s'arrêter. Il faut se mettre en travers, il faut s'accrocher aux branches, on arrive à des confrontations assez violentes, alors que dans la discussion, dans la négociation, on devrait y arriver. D'autres générations y sont arrivées avant nous, 19e, 18e même, où les gens savaient discuter et parler. Après, il y aura aussi la question de l'arrosage. Avec les étés, il y a l'arrosage, et les arrêtés, mais sécheresse, oui. Les arbres, mais, si on les arrose pas pendant les deux ans qui suivent leur plantation. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais planter comme on plante en ce moment des grands sujets avec des trucs à humidité et un arrosage automatique, etc. Bon, à mon avis, c'est pas la solution. Il faut bien les planter très jeunes au départ, les arroser les trois premières années, et ensuite, si le sol est désimperméabilisé aux alentours, il se débrouille. Mais avec une étude préalable du milieu aérien et souterrain pour savoir où ils pourront pousser. Effectivement, sur la question de... comment dire, de la plantation des arbres en ville, il y a, alors, c'est toujours difficile de parler de points particuliers, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que la façon dont on regarde en fait un patrimoine aujourd'hui quand on est gestionnaire, notamment en ville, c'est plutôt de faire l'analyse en fait de l'ensemble de son patrimoine, et après en fonction des typologies, du paysage, de l'aménagement de la rue, de la taille de la rue, du nombre d'arbres qu'on a dans la rue, de se poser des questions techniques en fait sur à la fois le mode de gestion, l'aspect je dirais comme ce que j'ai pu détailler précédemment sur l'aspect du suivi de l'état des arbres. C'est des questions qu'on se pose à l'échelle d'une ville et de son ensemble et d'un périmètre en fait, et pour ce faire et pour ce type d'études, il y a des indicateurs et des ratios qui sont assez intéressants aujourd'hui qu'on étudie, parce que c'est vrai qu'on a la chance aussi, et notamment depuis le Covid, l'information sur le repérage et notamment sur l'analyse d'images satellites, ça nous permet en fait de progresser, par exemple sur ce qu'on appelle les pourcentages de canopée ou les pourcentages en fait de surface végétale qu'on peut avoir sur une ville. Donc c'est des ratios qui sont très importants, parce que vous l'avez déjà dit, mais c'est vrai que les gestionnaires publics gèrent à peu près 30% du patrimoine en général d'une ville, et donc 70% est plutôt sur le volet privé, mais à l'échelle d'une ville, quand on calcule par exemple des îlots de chaleur l'étude, l'aménagement et la conception d'infrastructures vertes, notamment par rapport à la transition écologique, on le fait avec l'ensemble de la surface qui existe sur la ville. Donc on prend tous les espaces, en fait, à la fois l'espace public et l'espace privé, pour pouvoir calculer ça. Et il y a un ratio qui se développe depuis quelques années qui pour nous est très intéressant, c'est ce qu'on appelle donc le 3-30-300. Donc le 3, c'est sur le volet service écosystémique, donc un être humain, c'est bien pour son bien-être qu'il puisse voir depuis sa fenêtre au moins 3 arbres. Le 30%, c'est sur l'aspect de la surface d'ombrage qu'on peut avoir dans une rue, donc 30% d'ombrage, c'est un bon ratio. Et le dernier ratio, c'est 300 mètres. Donc ça veut dire la distance la plus intéressante, pour un habitant en ville, pour avoir accès à un espace de nature et à un espace arboré. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ces éléments-là, et notamment aussi avec des éléments, parce qu'on s'intéresse aussi à des études qui sont faites par l'Organisation mondiale de la santé, qui aussi nous indique des ratios de mètres carrés d'espace de nature disponible pour l'ensemble des habitants. Donc on est autour aujourd'hui de 10 à 15 mètres carrés.
Donc l'ensemble de ces ratios nous permet en fait de calculer des données qui nous permettent de dire la quantité d'arbres ou la quantité d'espace de nature qui est nécessaire en fait pour adapter la ville justement aux effets du changement climatique. Donc c'est vrai qu'on est dans des phases de transition. Les phases de transition, c'est toujours un peu compliqué parce que dans les échanges, dans le dialogue ou dans les prises de décision, il y a des enjeux. Chacun défend aussi ses enjeux. Nous, je dirais qu'on est neutre, on est des agents publics et donc on est là en fait sur les faits pour analyser et puis pour informer et instruire en fait donner l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour prendre une décision. Mais on informe en fait avec ces ensembles de données aujourd'hui qui sont beaucoup plus facilement disponibles, je dirais, pour l'ensemble des services. Et ça fait partie en fait aussi de l'évolution des compétences, parce que de plus en plus on a aussi des géographes et qui sont spécialistes des systèmes d'information qui nous permettent en fait aussi de bien gérer, repérer l'ensemble du patrimoine arboré qu'on a sur la ville. Et en fait, avec l'ensemble de ces données-là, aujourd'hui, sur la façon dont on renouvelle en fait des plantations arborées, on tient énormément en compte. Et là, on a un savoir qui est, je dirais, pluridisciplinaire qui arrive aujourd'hui. On travaille de mieux en mieux avec nos collègues de voirie. On arrive à faire, valoir les enjeux justement de la bonne plantation du bon arbre au bon endroit, notamment vis-à-vis des réseaux, pour avoir la taille, la taille maximum pour planter un arbre en ville. Et je dirais même que on va au-delà de ça aujourd'hui. La question, c'est plus de planter un arbre à l'unité, mais c'est plutôt comment replanter en groupe, en infrastructure, donc de définir qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure verte et le rôle qu'on veut lui donner et les services qu'elle doit rendre. Donc toutes ces analyses nous permettent aussi de faire évoluer à la fois les savoirs paysagers, mais les savoirs aussi dans le domaine de l'urbanisme, parce que notamment je pense aux confrères de la ville de Lyon qui sont très avancés en fait sur ces systèmes-là, ce qu'on appelle les systèmes de fosses de Stockholm. Donc c'est un petit peu technique, mais en tout cas c'est des systèmes de fosses qui vont avoir une surface très importante où on va en fait garantir, je dirais, la stabilité d'un trottoir, mais où sous le trottoir vous avez un volume très intéressant et très très important pour pouvoir planter un groupe d'arbres, ce que vous voulez. Et on revoit aussi à ce moment-là complètement le système de récupération des eaux de pluie, parce que effectivement, comme ça a été dit, la ville va énormément évoluer. On sait qu'on a des plans justement de lutte contre les canicules, ou à l'inverse justement des plans justement de prévention par rapport aussi aux inondations qui peuvent se produire. Donc ces systèmes-là sont faits en sorte qu'on peut récupérer une quantité d'eau très très importante, et que ça permet de libérer aussi les réseaux d'eau pluviale, donc de moins traiter aussi de l'eau. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle le principe d'économie circulaire et d'aménagement type de transition écologique. Donc ces systèmes-là, on les met de plus en plus. Enfin, je dirais qu'aujourd'hui, c'est dans ces normes-là qu'on évolue et qu'on fait évoluer justement la qualité de gestion du patrimoine arboré. Et je rejoins en fait l'avis de Caroline Molly. Il faut vraiment en fait se concentrer les efforts en fait sur la qualité de plantation, les objectifs qu'on veut donner à la plantation. Alors c'est des objectifs qui sont à la fois de services écosystémiques, qui sont des objectifs techniques, effectivement de bioclimatisation. On aura toujours besoin d'arroser du patrimoine végétal justement pour amorcer cette machine qui est la bioclimatisation aujourd'hui. De produire de l'ombre aussi, comme je vous l'ai dit, par rapport aux 30% qui sont importants, 30% d'ombrage qui sont importants dans une rue. Donc voilà. Est-ce qu'on croit par exemple aux micro-forêts ? Non, mais là, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi. Moi, je vois des collègues qui plantent des Miyazaki, c'est ça, des plantations très denses, en disant que tout ça va pousser plus fort, etc. Moi, j'ai pas un avis de technicien, mais franchement, je pense que le sujet qui est devant nous, c'est d'abord un sujet de penser la ville de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire un projet d'aménagement si on ne se demande pas comment il vivra
en 2050. Et cette question-là, on ne se la pose jamais assez quand on est maire. Et notamment dans le rapport à la nature, pour une raison majeure, c'est que la nature qui rend d'énormes services écosystémiques, on vient de les évoquer succinctement, ne paye pas de droits à construire. Et du coup, elle perd beaucoup. Enfin, je vais vous dire l'expérience de maire. On est devant des contradictions. Par exemple, Arcueil, c'est une ville qui a 46% de logements sociaux, 70% d'immeubles collectifs et 30% de tissus pavillonnaires. J'ai eu une bataille avec l'État qui voulait à tout prix que nous supprimions du pavillon en disant nous sommes dans le périmètre du Grand Paris, du nouveau réseau de transport. C'est débile, c'est ici qu'il faut construire pour éviter l'étalement urbain. Densifions. Exactement, densifions et en étant heureux et en chantant « Vive la densification », c'est la solution la plus intelligente. Sauf que nous avons densifié et continué l'étalement urbain. Donc, au fond, aujourd'hui, la métropole est plus dense, mais l'étalement urbain est plus important. Donc, il y a une erreur. Il y a une erreur. Et l'erreur est peut-être de vouloir des mégapoles qui atteignent, à un moment donné, une taille qui n'est plus acceptable. Donc moi, par exemple, mon tissu pavillonnaire, je vais vous dire les problèmes que je me posais. On a souvent des petites lanières et on interdit de planter des arbres à proximité de son voisin. Et bien peut-être quand on a un tissu avec des petites lanières, il faut au contraire supprimer cette interdiction de planter un arbre et négocier entre deux voisins qu'on va avoir un beau sujet, mais on ne peut pas avoir un beau sujet au milieu d'un tout petit jardin. Donc il faut peut-être le penser intelligemment dans un bon accord de voisinage ou dans un règlement qui le permette. Plutôt que de dire il faut supprimer, il faut préserver les sols. Il y a des pavillons où les gens utilisent le sol pour y faire un parking en plein air en mettant du goudron. C'est-à-dire que le fait d'être dans un tissu pavillonnaire ne vous garantit pas non plus d'avoir un développement écologiquement responsable. Hein. Et moi, je suis très opposé à construire des zones d'étalement pavillonnaire là où il n'y a aujourd'hui pas de bâtiment. Mais par contre, là où on est dans une métropole très intense comme la métropole du Grand Paris, les tissus pavillonnaires qui représentent quand même presque 30% des habitats de la métropole, on oublie ça, je crois que c'est 26 ou 27%, jouent un rôle très important dans le rafraîchissement de la ville, mais à condition qu'on y préserve les terres. Dernière remarque, c'est sur les... Enfin, donc moi, je crois qu'il faut vraiment penser comme ça. Et sur les sols, on a un sujet énorme. Enfin, moi, j'étais impressionné. Regardez ce qu'on consomme dans cette métropole, ce qu'on consomme et ce qu'on jette. Et on va chercher des apports pour nos végétaux alors que nous jetons. Et donc, il s'est monté beaucoup de sociétés de compostage à domicile, etc. Il y a maintenant, au 1er janvier, il y aura une obligation de compostage des déchets végétaux ménagers. Mais c'est quand même incroyable. On a beaucoup de sols qui sont des sols recomposés, des sols de mauvaise qualité. Enfin, les professionnels, vous savez ça parfaitement. Mais on sait réamender un sol. Et on a une ressource en interne, vous parliez d'économie circulaire et de circuit court. Donc je crois vraiment que si on commence à penser en termes d'économie circulaire, de la ville vivable, de la vie des sols, parce qu'on parle des arbres, mais c'est sûr que si vous plantez un arbre et qu'il n'y a pas de sol, et puis de règlement, je suis furieux, je réagis à ce que vous disiez sur l'autorisation d'arroser. Dans ma commune, on a planté un verger. C'est un autre sujet, mais j'aime beaucoup aussi l'idée de la ville comestible. Il y a aussi des gens qui ne mangent pas leur faim, et au fond, c'est pas idiot d'avoir... C'est pas comme ça qu'on aura l'autosuffisance alimentaire, mais d'avoir aussi un peu de production... mon successeur et je lui dis écoute, tant pis, tu déroges, mais vaut mieux lutter contre les fuites sur les canalisations et autoriser l'arrosage des arbres que laisser mourir des arbres qu'on a plantés par défaut d'arrosage. Vous êtes convaincu, donc très bien, mais je voudrais revenir sur la temporalité de ces espaces de nature où on a parlé, donc même si la vie des arbres est un peu raccourcie en ville,
70 ans, c'est quand même pas mal de mandatures de maire. Et comment on fait pour qu'un espace de nature gagné sur le minéral dure, mandature après mandature ? Alors, moi, je vais vous dire, je suis très confiant là-dessus. Parce qu'en fait, les élus, tous, quel que soit leur bord, sont très sensibles à la demande de leurs concitoyens. Oui, mais ça, c'est du marketing. Non, je ne parle pas de marketing. Aujourd'hui, il y a des collègues qui font des conneries monstrueuses en allant abattre des arbres magnifiques ou en leur coupant les racines pour construire un bâtiment qui passe à ras d'un arbre qui a 200 ans. Et on va... Bon, je ne donnerai pas d'exemple et je ne citerai pas la ville de Saint-Maur puisque j'ai dit que je ne la citerai pas. Mais franchement, donc moi, je signe toutes les pétitions pour sauver les arbres. C'est très important de sauver les arbres. Mais... À chaque fois que vous abattez un arbre, aujourd'hui, vous avez une manifestation dans la ville. Vous avez des gens qui pétitionnent, qui se mobilisent. Ils ne gagnent pas toujours, hélas, mais ils gagnent souvent. Et cette pression ne va pas cesser de croître, parce que nos concitoyens sont beaucoup moins bêtes que ce que certains collègues ne pensent. Ils ont aussi compris qu'on était rentré avec l'Anthropocène dans une nouvelle ère, et que cette ère, pour qu'eux-mêmes s'y sentent bien, il fallait qu'ils aient des espaces de nature. Et le Covid a été très précieux. Vous rappelez qu'on a interdit l'accès aux parcs. On a interdit l'accès au parc pendant la crise du Covid. Mais les gens... Enfin, moi, je suis maire d'une ville très populaire. Il y a des gens qui vivent dans des hôtels sociaux avec des enfants, trois mômes dans une chambre de 9 mètres carrés. Mais c'est monstrueux de leur interdire d'aller dans les espaces de nature de la ville. Et donc, aujourd'hui, tout le monde a compris. Et regardez, à chaque canicule, vous avez n'importe quel endroit boisé. Toutes les villes ouvrent la nuit les parcs parce que c'est le seul endroit où on va avoir un gradient de température... les jours de canicule à peu près acceptables. Donc, moi, j'ai confiance dans la mobilisation des citoyens. Vous parliez de démocratie participative. Je crois que les gens doivent prendre en main. Je pense que les professionnels sont en train de gagner la bataille de l'acculturation, professionnels publics et privés. De plus en plus d'élus comprennent. Je vais vous dire une anecdote. Quand je suis rentré à la métropole du Grand Paris, j'étais le seul vice-président écolo. Et j'avais développé l'idée qu'il fallait aussi soutenir les abeilles. Donc on m'appelait Maya l'abeille. Il y avait, de temps en temps, j'entendais bzz, bzz quand je prenais la parole. Enfin, bon, c'est comme ça. La politique n'est pas toujours que sympathique. Et je suis parti 4 ans après. Non, c'est pas le seul métier. Hein. D'ailleurs, c'est pas un métier. Mais je suis parti 4 ans après et des collègues qui... dont certains faisaient bzz, bzz, sont venus me demander, disons, tu crois qu'on pourrait replanter que... C'est-à-dire que la bataille qu'on a menée dans cette métropole pour faire comprendre que le sujet de la nature en ville n'était pas un sujet d'agrément, ni un sujet accessoire, mais que c'est un sujet essentiel, je pense avoir marqué des points avec l'appui des adjoints maires de chacune des villes qui bataillaient dans leur ville, etc., avec l'appui surtout des demandes sociales des citoyens. C'est-à-dire que pourquoi... Dernière anecdote, excusez-moi, je suis trop long, mais j'ai travaillé avec deux grandes sociétés immobilières à leur demande, après avoir publié cette tribune, qui disait « il faut que les promoteurs payent donc 5% pour la nature ». Je me suis dit « je vais au salon de l'immobilier, je vais recevoir des cailloux ». Non, j'ai été invité à passer devant leur staff, parce qu'en gros, ils m'ont dit deux choses. D'abord, nos mômes nous accusent d'être des bétonneurs et de leur pourrir leur vie demain. Les deux patrons des deux grosses sociétés m'ont dit la même chose. Tu vas avoir des enfants très écolos. Enfin, voilà. Deuxièmement, on ne trouve plus de jeunes ingénieurs. Ils ne veulent plus venir bosser chez nous parce qu'ils veulent du travail. Et troisièmement, nos clients, ils veulent des choses plus vertes. Donc, ils m'ont dit, en gros, nous, on vous fait confiance. Si vous, les élus, c'est à vous d'exiger. Parce qu'on sait faire beaucoup mieux quand on construit des immeubles. On pourrait faire beaucoup mieux que ce qu'on fait. Sauf qu'on fait pour répondre, et quel est le critère d'évaluation de tout projet d'aménagement urbain ? C'est le montant des droits à construire versés. Parce que c'est aussi ce qui finance les politiques sociales des villes, éducatives, de création d'équipements, voire de création de parcs. Mais donc, si on ne les met pas à contribution, si on n'a pas des règles d'urbanisme qui imposent 30% de pleine terre libre à la parcelle, etc., eh bien, on perdra. Mais moi, j'ai confiance dans nos concitoyens pour exiger de leurs élus. Et les élus sont très sensibles à la voix de leurs concitoyens, qui est aussi celle de la réélection. Oui, ben, voilà. Il y a beaucoup de confrontations, là. Caroline, vous vouliez...
J'ai des choses à dire. Oui, je partage effectivement. En ce moment, il y a énormément d'agitation sur la question des abattages des arbres. Ça, on sent que la colère monte vraiment très fort. Sur les élagages, un peu moins. Par contre, on a évoqué, enfin, moi j'ai parlé de la vision à long terme d'une gestion patrimoniale du patrimoine existant et du patrimoine à venir. Nous avons évoqué aussi quelque chose d'extrêmement important, c'est maintenir au maximum la végétation en place quand on fait une opération immobilière. Et là, les citadins arrivent peut-être souvent trop tard, la machine est partie. J'ai encore en tête une amie qui est docteur des arbres, arboriste reconnu, et qui m'a dit, tu sais pas Caro, j'ai eu un appel, c'était pour une maison de retraite, pour construire une maison de retraite à Valence quand même, il fait pas très froid là-bas, hein. Les étés sont plutôt chauds. Et sur le terrain de cette maison de retraite, il y avait un magnifique platane. Et on a abattu le platane pour construire la maison de retraite. Mais avant d'abattre le platane, l'architecte est venu voir Madame Docteur Arbre et lui a dit, vous, un platane de 150 ans, oh, mais on va le déplacer. Bon, c'est-à-dire que, voilà, les architectes eux-mêmes n'ont pas conscience, ils se disent... Et alors, je voulais en venir à cette question d'une certaine forme de retour au bon sens et de la raison dans les politiques publiques et dans les politiques de végétalisation des villes. Il se développe actuellement tout un tas de ce que j'ai appelé les fausses bonnes idées. Voilà, les fausses bonnes idées. Donc, les fausses bonnes idées, c'est par exemple de dire qu'on va planter un arbre par naissance ou qu'on va planter deux arbres par habitant, qu'on va planter des milliers, des millions, des je ne sais pas quoi. Je crois que la ville la plus et qui a la palme du nombre d'arbres à planter, c'est Milan qui plante trois arbres par habitant. Alors imaginez le centre de Milan, trois arbres par habitant, où est-ce qu'on va les mettre? Et comment ces arbres vont-ils pouvoir se développer et faire de beaux arbres et de beaux houppiers et de belles couronnes? Ce dont on a besoin, il en faut peut-être un demi, il en faut peut-être un pour 10 habitants, mais on part sur des trucs comme ça. Donc ça, c'est une fausse bonne idée que je crois extrêmement néfaste, parce que les gens sur le journal, ils disent 10 000 arbres, formidable, notre ville va être verte, on va assurer l'avenir extrêmement bien. Autre fausse bonne idée dans les politiques publiques, et ce qu'on entend, c'est les plantations en pot. Les plantations en pot, en bac. Bon, donc on va planter des arbres et on les plante, on les retrouve. Les fameux oliviers d'en bac. Ah, ça a été une grande bataille. Ah, oui, les plantations en pot, on vous met des pots avec des arbres qu'on va chercher en Espagne, des oliviers qui sont arrachés de leur propre terre, qui peuvent avoir 500 ans, qui peuvent avoir 300 ans, qui peuvent avoir 1000 ans. Donc vous imaginez le coût en termes d'énergie, de consommation, de transplanter une grosse bête comme ça, de l'amener dans un centre commercial, de l'amener sur une esplanade, de l'amener, tout ça pour les transplantations de gros sujets. Enfin, c'est un peu la même chose. La question des pots, moi, je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut imaginer qu'un arbre peut pousser dans un dé à coudre? C'est nier l'essence même du végétal qui fonctionne en permanence en circulation de sève entre la photosynthèse et les racines. Donc, photosynthèse, racine, feuille, racine en permanence. Si vous ne donnez pas l'espace suffisant pour les racines, vous avez des bonsaïs. Donc c'est pas un arbre, c'est pas ça qu'on veut. Voilà. Alors voilà une de mes batailles aussi. Et puis alors les forêts urbaines, parce qu'on l'a évoqué, mais là je voudrais aussi faire le point sur les forêts urbaines, surtout qu'on est dans le lieu où, voilà. Vous avez failli avoir, et vous aurez peut-être, des forêts urbaines sur la place de l'Hôtel de Ville. La forêt urbaine, pour moi, c'est une espèce de label démagogique
qui vous fait croire que vous allez vous trouver en pleine ville, place de l'Hôtel-Ville, dans une ambiance de forêt, que vous allez entendre les petits oiseaux, que vous allez voir des fleurs. Que vous allez... Donc forêt, forêt urbaine. C'est la première fois, honnêtement, c'est la première fois dans l'histoire des villes qu'on utilise ce terme de forêt urbaine pour parler tout simplement de jardin. De jardin. La ville en ses jardins, les jardins en ville, le jardin urbain, le jardin de ma maison, le jardin, le parc. Il y a un vocabulaire qui existe pour désigner les espaces de nature en ville et qui signifie ce qu'il a signifié, c'est-à-dire qui signifie un endroit où vous êtes confortable, où vous êtes un peu à l'abri du bruit, de la circulation, où quand il est bien fait, quand il est bien entretenu, il peut y avoir un peu d'eau, un jet d'eau, un bassin, mais bon, ça disparaît ces choses-là parce que ça coûte trop cher et que c'est dangereux. Où vous avez de l'ombre, vous avez des fleurs, vous avez des bancs. Et qu'est-ce que vous allez faire dans une forêt urbaine ? La forêt qui est en train de se terminer là sur la place de Catalogne, j'y suis allée justement avant-hier pour voir, pour vous en parler, c'est une plantation dense de sujets d'arbres, déjà des grands sujets, donc dont la reprise n'est pas forcément... n'est pas garantie, enfin bon, elle est garantie par le pépiniériste, mais bon. Et on va vous donner une image de forêt qui sera figée, parce que les arbres ont beaucoup de mal à reprendre quand ils ont été transplantés en grand sujet. Et en plus, vous ne pourrez pas vraisemblablement aller à l'ombre des arbres, parce qu'ils sont plantés très denses et que le sol est quand même relativement fragile. Un sol de sous-bois, c'est fragile. Donc la population du 14e, je ne la vois pas trop... je ne la vois pas trop. Donc vous aurez une sorte d'oasis de verdure ou d'oasis de fraîcheur, vous aurez une production d'oxygène, vous aurez une consommation de CO2, mais le lieu pour vous, habitants, la forêt urbaine pour vous, habitants, c'est un leurre, c'est une image, c'est une illusion. Donc demandez des parcs, des jardins, des squares, des endroits pour aller, pour être bien, pour vous asseoir, pour rester. Mais ne croyez pas à ces histoires de forêt urbaine. Et le pire du concept de la forêt urbaine, c'est cette histoire de forêt Miyazaki. C'est un concept qui nous vient du Japon. Alors, comme c'est japonais, ben on se dit « Oh là là, c'est formidable bon, !» C'est un peu exotique. Et qu'est-ce qu'on vous propose avec ces forêts Miyazaki? On vous propose une plantation en ville, hein, en centre-ville. De très denses, de très jeunes plants. Et moi, j'ai vu la première forêt urbaine de Bordeaux, donc dans un carrefour, à l'emplacement, on a remplacé 5 places de voiture par une forêt urbaine Miyazaki. Et après 6 mois, vous avez 1,50 m de broussailles. Mais vraiment de la broussaille. Alors les gens du quartier, il y a une association de quartier qui est allée voir la mairie, qui a dit « c'est pas ça qu'on veut, c'est quand même moche votre machin là ». Alors ils ont rajouté des fleurs, il y avait une espèce de petite barrière de châtaignier, enfin un truc moche, pas beau quoi, on veut du beau quand même. Et puis on veut des choses pérennes, on veut des arbres qu'on va planter jeunes, mais qui pour nos enfants ou pour nous donneront de l'ombre. Et on a cette broussaille qui sert de cache à rats, de quand c'est pas pour les chiens. Donc, je conclue. Les fausses bonnes idées, c'est la forêt urbaine, les arbres en bac, l'élagage, la densité, excès de densité. Et je crois que c'est tout. Ça en fait déjà 4, c'est pas mal. Donc faites attention quand on vous fait des promesses comme ça. Regardez-y de très près. Oui, je voulais en fait justement parler du concept aussi de sobriété qui est quand même assez important aussi aujourd'hui à prendre en compte dans les décisions et dans les aménagements qu'on peut aujourd'hui réaliser en ville, notamment donc sur l'intérêt, la qualité des végétaux qu'on replante aussi aujourd'hui, puisque comme voilà, vous le voyez, on l'a bien dit dans ce débat,
Aujourd'hui, l'ensemble, je dirais, des collectivités ou des villes sont en compétition justement pour avoir des végétaux, justement pour réaliser des plans de revégétalisation. Donc c'est vrai que nous, ce qu'on défend au niveau de notre association, c'est vraiment l'instruction la meilleure possible, de défendre en fait notre système d'ingénierie, de donner en fait la meilleure information, la meilleure instruction possible pour prendre des décisions qui sont éclairées et qui peuvent être justifiées à l'échelle de la ville et pour le bien-être des populations. Et ce qu'on arrive à faire en fait aujourd'hui est de plus en plus intéressant. Et j'ai envie de dire en fait que par rapport à ces systèmes, ces nouveaux systèmes de gestion qu'on met en place, la qualité du végétal, elle est quand même très importante. Donc on l'a dit, c'est de planter le bon arbre ou le bon végétaux au bon endroit. Et c'est vrai qu'il faut faire attention en fait à préserver tous ces végétaux qu'on met en place, parce qu'on a bien indiqué qu'aujourd'hui on avait des contraintes par rapport aux arrêtés de sécheresse. Donc effectivement, il faut vraiment prendre soin et mettre en place en fait toute la gestion, tout ce qu'on appelle d'un point de vue technique le parachèvement. Donc c'est la façon dont on va amener les végétaux à bien grandir, à bien croître, à faire en sorte qu'ils développent des ramures conséquentes et le mieux possible en fait en ville. Et ce système-là, effectivement, il s'inscrit vraiment dans la sobriété. Donc de se poser la question sur la taille des végétaux aussi qu'on replante. Donc ça, c'est des choses aujourd'hui effectivement sur lesquelles il faut être prudent et il faut faire l'analyse en fait de ces éléments du mieux possible. Et sur la sobriété, ça a été un petit peu dit, et moi j'insiste aussi sur ce sujet-là des sols et des sols urbains. Parce que d'un point de vue scientifique, en fait, aujourd'hui, on est de plus en plus capable en fait de rendre des sols urbains qui ont été malmenés effectivement par la construction de la ville, l'âge de la ville aussi, l'âge aussi de l'urbanisme de la ville. On a des programmes qui sont développés, et je pense notamment à la ville de Marseille qui réalise en fait ces essais-là. Aujourd'hui, dans nos processus d'ingénierie, de plus en plus, on met en place, je dirais, des micro-rues, des micro-parcs, des micro-écoles. En fait, on va tester un ensemble de choses, et notamment où on va avoir assez de temps pour voir si les hypothèses qu'on a se valident ou ne se valident pas. Et notamment sur les sols, c'est un sujet qui est très intéressant pour les rendre vivants, les sols urbains, pour les rendre vivants aujourd'hui, en réutilisant la matière qu'on a in situ. Donc là, on est encore justement dans ce que j'appelais l'économie circulaire. Donc de constituer à la fois ce qui est important dans un sol, c'est sa structure et sa composition en termes de terre. Donc on fait des analyses de tout ça. Et on est accompagné justement par des chercheurs, notamment des chercheurs du CNRS. Et pour rendre aujourd'hui les sols vivants, on s'est rendu compte, et notamment Francis Allais l'a bien mis en évidence en fait aussi, c'est que les champignons qu'on appelle des mycorhizes sont hyper importants en fait dans l'activation du fonctionnement des sols. Et l'activation du fonctionnement du sol, c'est quoi? C'est l'incorporation et l'enrichissement des sols par la dégradation de la matière organique, donc tout simplement la chute des feuilles qu'on voit à chaque saison, les feuilles qui se dégradent au niveau du sol. Et donc dans ce système... Oui, on aura... Ce que je veux juste dire aujourd'hui, et sur le sujet le sol, on pourrait en parler encore pendant des heures. C'est quand même aussi important, parce que c'est vrai qu'on a laissé beaucoup la parole aux gens. Comment dire, pour dire voilà qu'effectivement on a beaucoup de choses encore à apprendre, et je dirais ça fait partie de la pédagogie en fait qu'on doit justement aux gens qui habitent les villes, de comprendre en fait comment on fait ces systèmes là et comment on les fait évoluer. On a des connaissances en fait aujourd'hui de ces systèmes de mycorhizes qui sont très adaptés et très localement d'une ville, d'une région, d'un climat à un autre. Donc aujourd'hui on investit tous ces savoir-faire là. Et vous avez vraiment une relation entre la croissance des arbres et ces systèmes-là. Donc c'est très important aujourd'hui de les étudier. Et pour moi, c'est fondamental en fait de le dire et de faire de la pédagogie aussi auprès des habitants. Merci. Anne, justement, attendez deux secondes. Justement, on a plein de questions à vous poser, mais des questions très courtes et finalement assez précises. Justement, tu parlais de la qualité des sols. C'est quoi la qualité de la terre, la qualité des sols des villes? Elle est plutôt bonne, c'est plutôt mauvais, c'est quoi?
c'est difficile de faire des cas généraux. En fait, ça dépend en fait de l'histoire de la ville, parce que aujourd'hui, je dirais qu'on a des différences par rapport à l'échelle de la ville. Plus une ville est ancienne, plus elle a été construite, plus en fait on a des sols qui sont, on va dire, pas très intéressants. Et la ville de Paris, par exemple, parce qu'on est parisien, la ville de Paris, elle a plutôt des bons sols, parce qui expliquerait qu'on n'a pas finalement ces grands arbres peut-être qui peuvent se développer. En fait, on a vraiment une différence entre les parcs aujourd'hui qui ont des sols qui sont constitués parce que ça fait très longtemps qu'ils existent dans la ville, et on a une différence avec les rues. Où effectivement, là, les sols, ils changent très régulièrement depuis en fait quelques années. Aujourd'hui, on fait beaucoup plus à ça, et c'est pour ça que j'insistais justement sur ces notions de sol vivant qu'on réadapte. D'accord. Et notamment, même avec des plantations en place aujourd'hui, on peut améliorer les sols de ces manières-là, notamment dans la rue, pour conserver au maximum les plantations qui sont présentes. Question très... parce qu'on on a reçu des questions aussi par Internet. Question très simple, c'est quoi le... Donc on parle d'arbres d'alignement dans les rues. C'est quelle épaisseur de terre sous un arbre d'alignement dans une ville, à peu près? Je réponds aussi. C'est vraiment, ça dépend vraiment des cas en fait. Il n'y a pas, je dirais que on se dit depuis, je dirais, une dizaine d'années qu'un volume pour un arbre c'est au moins 10 mètres cubes. Mais voilà, au commun des mortels, ça ne dit pas forcément grand chose, mais c'est peut-être au moins un mètre de terre de profondeur pour avoir des arbres d'une taille raisonnable. Mais voilà, c'est des choses qui ne sont pas, ça dépend vraiment des villes, ça dépend vraiment des situations urbaines. Alors, c'est très compliqué. Attends, on va passer la parole juste après à la salle. C'est très compliqué parce qu'un arbre en milieu naturel étend ses racines au-delà de la couronne, une fois, deux fois, sur 40, 50, 60 centimètres. Là où la terre est vivante, et là où elle respire, où il y a de l'oxygène et de l'eau. Alors, en ville, les responsables des réseaux vous diront que c'est une plaie parce que effectivement dès qu'ils sentent de l'humidité, ils vont se précipiter sur les trous dans les réseaux, par exemple. Donc quand il y a la terre sous le bitume n'est pas très vivante, on peut pas la qualifier de vivante. Donc il y a pas toute une question, je crois, de typologie précise. C'est très difficile. Alors, une question qui est revenue quand même assez fréquemment, pourquoi on a toujours les mêmes essences d'arbres? Alors, notamment à Paris, les platanes, les marronniers, on a très peu d'essences différentes finalement. Alors, je peux répondre là-dessus. C'est vrai qu'on vit un peu sur la palette végétale du 19e. Avant le 19e, c'était beaucoup des ormes. Au 18e, il y a eu beaucoup de plantations urbaines dans les boulevards, les rues, les avenues avant Napoléon III. Et puis, après Napoléon III, on a adapté les espèces importées de l'étranger, par exemple le platane, par exemple le marronnier, par exemple le tilleul, pas tous les tilleuls sont des arbres climatiques. Mais, et puis on s'est aperçu que le platane avait une plasticité, c'est-à-dire qu'il avait une capacité d'adaptation à la sécheresse, à la coupe, c'est un arbre qui pousse quoi que vous fassiez. Et donc on a dit, le platane c'est l'arbre formidable. Jusqu'au moment où on est arrivé à des excès monospécifiques, c'est-à-dire une seule essence, et quand la maladie du platane est arrivée, on s'est dit, oulala, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette histoire si elle touche tous nos arbres de ville. Alors, des questions dans la salle. Oh. Bonsoir, j'ai une question pour la gestion de la ville de Arcueil. Je vais souvent à Arcueil et je me suis rendu compte qu'autour de rue Henri Barbus, autour de l'école maternelle Henri Barbus, il y a pas mal d'arbres plantés, et autour de ces arbres, il y a des lierres. Alors, pour les lierres, il y a des avis qui disent lierre, c'est pas bon pour les arbres parce que ça va manger l'énergie de l'arbre. Il y a les gens qui sont pour, en disant que les lierres protègent les arbres contre la sécheresse et les gels, etc. Et c'est la première fois que j'ai vu les lierres
autour des arbres, mais en bas de l'arbre. Et j'ai vu quelques lierres qui montaient vers l'arbre, mais jamais très très haut à Arcueil. Et oui. Comment vous avez eu cette idée de planter des lierres sous les arbres et quels sont les bénéfices? Oui. À propos du lierre, effectivement, ça fait partie aussi des, je crois, des fausses bonnes idées qui ont circulé ces 30 dernières années, où on a entendu le lierre c'est très mauvais pour les maisons, c'est très mauvais pour les arbres, c'est très mauvais pour les sols. Et on revient sur cette idée. On revient parce que un couvre-sol, c'est-à-dire couvrir un sol de lierre, c'est quand même garder une certaine humidité, garder une certaine ombre. Et une certaine fraîcheur, oui. Et le lierre dans les arbres, j'ai entendu dire que qu'il n'y avait pas de compétition entre le lierre et les arbres. C'était une fausse bonne idée. Alors, justement, maintenant, pour parler de lierre, il y a effectivement les plantes qu'on aime bien et il y a des plantes qu'on n'aime pas. Les lentes, par exemple, ce fameux arbre qui pousse et qui pousse d'autant plus quand on le ratiboise. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut en faire de cette élante? Ben, je pense qu'il faut le garder. C'est un arbre formidable, l'élante, parce qu'il pousse vite. Il pousse même sans qu'on le lui demande, puisqu'il a une capacité à se ressemer. Et en plus, il fait des fruits en automne complètement splendides. C'est vraiment très beau. Par contre, c'est la relation de l'homme avec la nature végétale, ça a toujours été une relation j'avance, je recule, j'avance, je recule. C'est une relation de discussion, de rapport de force. Rapport de force pas violent, bien sûr, mais si on laisse les plantes nous envahir. Après, il faut se donner beaucoup de mal pour les enlever, pour laisser la place à d'autres plantes. Là aussi, c'est une question d'intuition du jardinier. De temps en temps, il faut en enlever, voilà, parce qu'ils envahissent. Mais de temps en temps, il faut en garder, parce que c'est un arbre qui a des capacités d'adaptation au milieu urbain exceptionnelles. Sur les lierres, c'est pas moi qui ai décidé, madame, parce que quand j'étais maire, j'ai des techniciens qui sont bien meilleurs que moi, et donc je leur laisse la compétence. Mais le lierre a deux avantages. Il a été choisi parce que c'est un couvre-sol qui garde l'humidité, comme c'est évoqué. C'est aussi une plante mellifère et qui nourrit les abeilles, les butineurs, à une période où il n'y a pas tant que ça à manger. Donc, gardez le lierre. Franchement, vos abeilles en seront contentes. Enfin, les abeilles au sens générique du terme, au sens large. Et le polonia, dont tout le monde parle. Catalpa. Le polonia, c'est pareil que les landes, ça pousse très vite, ça fait des très jolies fleurs à l'automne qui sentent très bon, mais ça fait partie des arbres, des bois... À la mode. Puis à la mode aussi. Pas forcément, mais ça fait partie des plantes qui poussent vite, donc on les plante, on en plante beaucoup, mais elles meurent plus vite aussi. C'est comme le peuplier, enfin plus elles sont lentes, je me trompe pas Anne, plus elles sont rapides à pousser, plus le bois est moins le bois est dur et moins elles sont longévives, voilà, en clair. Les plantes qui poussent vite ne sont pas longévives. C'est-à-dire qu'un peuplier, au bout de 100 ans, il commence à donner des signes de faiblesse. Un polovnia, c'est les polovnias qui ont été plantés sur la petite place qui est à côté du centre Pompidou, là. C'était magnifique. À une certaine période, il y avait cette espèce de couverture mauve au printemps, c'était exact. Mais on voit qu'ils souffrent, ils ne sont pas bien maintenant, et je pense qu'il faut les remplacer. Karine. Oui, l'arbre en ville est souvent un sujet isolé, ce qu'il n'est pas dans la nature. Est-ce qu'il ne faut pas aussi penser à planter des strates sous-arborées et même aussi des strates au sol, notamment dans une perspective d'amélioration de l'évapotranspiration. Pardon.
Oui, c'est une très bonne question. Oui, oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, Caroline, elle peut très bien en parler, justement sur le fait de pourquoi on plante des arbres isolés, en alignement, enfin soit isolés ou soit en alignement, mais le même individu qui se répète plusieurs fois sur un simple alignement, un double alignement. Ça, effectivement, c'est un héritage historique des allées royales où on voulait que les choses soient bien droites. C'est un héritage presque du jardin à la française, en fait, qui a été importé à un moment donné aussi dans la ville. Et dans ce processus d'évolution que j'ai essayé de vous expliquer aussi ce soir par rapport à l'évolution de nos systèmes d'ingénierie, ça fait tout à fait partie, en fait, de la création, parce que là c'est des choses qui sont quand même assez nouvelles, je dirais, en termes d'écologie et d'écosystème urbain. Donc quand on crée, justement, c'est dans le sens où je vous ai parlé des infrastructures vertes, ça correspond à ce concept là en fait, justement comment on peut concevoir une infrastructure avec différentes strates qui s'intermêlent, font écosystème et permettent justement à la biodiversité aussi de pouvoir s'installer. Donc celle qui est au ras du sol, donc on peut passer des champignons aux insectes, aux pollinisateurs, qui sont quand même assez importants. Et que depuis maintenant qu'on a mis en place le zéro phyto aussi dans les villes, on a aussi des populations d'insectes qui reviennent et qui sont quand même très importants aussi pour l'équilibre des écosystèmes. Cette strate aussi intermédiaire qu'on n'a pas vue depuis plusieurs années, que représentent les arbustes. Les arbustes aujourd'hui, bon, c'est des petits arbres forcément qui n'ont pas de grandes ramures, qui ne font pas de grandes charpentières, qui montent beaucoup moins haut que les arbres, mais qui sont tout aussi importants par rapport à l'effet de bioclimatisation, à la masse qu'ils représentent et à l'évaporation, l'évapotranspiration aussi qu'ils peuvent produire. Donc effectivement, dans la nature, on a une structuration sur des écosystèmes qui se sont installés pendant une durée de vie très importante. Et en ville, l'intérêt, il est tout aussi intéressant, justement, de recréer ces systèmes-là, ce qui rappelle aussi à la fois la nature qu'on peut voir en dehors de la ville, mais il crée aujourd'hui cette évolution, cette infrastructure qui, pour nous et pour moi aussi, dans notre travail quotidien, c'est vraiment un objectif majeur, en fait, de développer, de déployer, en fait, ces ensembles-là dans la ville, justement pour permettre de répondre aux enjeux très importants qu'on a par rapport aux effets du changement climatique. Et ils protègent, je dirais même, en plus de faire de l'ombrage, etc. On a parlé du travail transversal qu'on peut faire avec nos collègues de voirie, mais on a aussi des échanges de plus en plus avec nos collègues des bâtiments aussi, pour que eux, de leur côté, tiennent compte aussi de l'évolution de leur bâtiment, de comment fonctionne un bâtiment au niveau de... justement, on a parlé de la climatisation. Ces effets-là, ces écosystèmes-là urbains, ils peuvent rendre des services aussi à la gestion et à la climatisation des bâtiments. Donc voilà, c'est, petit à petit, c'est ce type d'ingénierie et ces infrastructures qu'on développe et qu'on souhaite développer. Donc c'est vrai que moi, travaillant pour le département des Hauts-de-Seine, on est sur une échelle qui est beaucoup plus grande que celle, je dirais, d'une ville moyenne. Mais ça permet... De réinterpréter la caractérisation des paysages, d'inventer aussi un nouvel urbanisme. Il y a des concepts d'urbanisme bioclimatique qui existent aussi aujourd'hui. Donc voilà, on est d'un point de vue donc de la technique et de la construction. Aujourd'hui, on essaye, nous, par tous les interstices qu'on peut, insérer la nature, insérer du végétal, insérer aussi des sols, en fait toutes les ressources qui sont importantes aujourd'hui pour l'infrastructure verte. Donc on l'a dit, c'est les sols, c'est le végétal et c'est l'eau. Donc c'est avec ces ressources-là qu'on évolue, qu'on crée des nouvelles pratiques environnementales et qu'on recrée qu'on améliore ou qu'on met en place ces nouveaux écosystèmes urbains. Tout de suite, une question d'Annaline Prévost, la présidente de la JGH. Avec le réchauffement climatique, on peut se dire les espèces qui poussent dans le sud de l'Europe, il suffit de les faire pousser chez nous. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est plus compliqué ? Des oliviers à Paris. Oui.
va aimer, je pense, je pense que c'est une des options possibles. Il y a à cette question du comment adapter la végétation et le patrimoine arboré au réchauffement climatique, ça peut être une réponse. De ce que j'ai entendu de mes amis et collègues, je crois que le plus important aujourd'hui, c'est de donner les bonnes conditions aux arbres que l'on plante, c'est-à-dire de leur donner de la profondeur de sol. C'est le sol qui est important. Là, je rejoins Anne absolument. Le sol est complètement prioritaire là-dedans. Un arbre qui a chaud, s'il a de l'humidité, peut vivre. C'est la sécheresse du sol qui l'étouffe le plus. Donc, bien planter, les planter jeunes, dans des conditions qui leur permettent de se développer dans un sol qui permet de garder une certaine fraîcheur et une certaine humidité, très important. Après, il faudra penser aux espèces, je dis pas tropicales, mais aux espèces du sud, aux espèces importées d'autres continents, d'autres pays. Je veux dire, ça, on a une vieille tradition en Europe d'importation d'espèces et d'acclimatation, ce qu'on appelle l'acclimatation. Et ça pourra donner des ambiances tout à fait merveilleuses. Je ne sais pas pourquoi les flamboyants peut-être pourront flamboyer à Paris. Pourquoi pas? À Nice, on a le jacaranda. Voilà, le jacaranda. Voilà, à Nice, on est en train de développer le jacaranda qui a une floraison absolument magnifique, mais profitons-en. Sûr. Il y a micocouliers. Il y en a. Climatiques. Plus. D'accord. Donc c'est normal. Les micocouliers, c'est normal. Pourquoi créer une contradiction entre un parc et une vraie mini-forêt urbaine? C'est-à-dire, une vraie mini-forêt urbaine, ça signifie qu'il y a des arbres qui sont associés à un écosystème avec les racines, qui créent un vrai micro-écosystème. Les gens, ils peuvent le contempler en passant par un petit sentier ou des sentiers qu'on crée à l'intérieur, mais c'est juste un lieu de passage pour l'humain, parce que c'est un lieu pour donner à la ville beaucoup, beaucoup, beaucoup de biodiversité, d'humidité, etc., etc. Et après, les parcs, on va les régénérer, parce que maintenant dans les parcs il y a très peu de prairies, il y a tous les arbres qui sont coupés à cubes, il y a les parcs actuellement, ils sont sous-développés. Je vais vous répondre sur les forêts urbaines. Vous avez à Paris deux exemples de forêts urbaines. Il y a la forêt de la Grande Bibliothèque Nationale, sanctuarisé, on n'a pas le droit d'y pénétrer. C'est le domaine privilégié des chercheurs du muséum et qui vont compter les petites bêtes et tout ça. L'autre forêt urbaine, c'est la petite forêt urbaine qui accompagne la Fondation Cartier, boulevard Arago. Et là, vous avez un jardinier 4 jours par semaine sur moins d'un hectare de terrain pour entretenir cette illusion de forêt. C'est pas une forêt, c'est une image de forêt. Parce que créer un écosystème de forêt en ville, c'est pas possible, tout simplement. Ou alors, il faut le créer sur 5 hectares et le sanctuariser. Or, je comprends l'intérêt de développer la biodiversité. Moi, je pense que avant de développer la biodiversité en ville, qui est importante, il faut quand même réfléchir d'où elle vient, cette perte de biodiversité. C'est quand même de l'agriculture et de la disparition des espaces de nature en périurbanité. C'est là la priorité. Il faut qu'elle vienne là. Et c'est pas, à mon avis, je dirais que la densité des villes ne permet pas de développer ces fameux sanctuaires de biodiversité.
Oui, attends, excusez-moi, on va, je voudrais juste reformuler un petit peu la question de madame, mais un petit peu différemment, parce que je pense qu'elle elle brûle les lèvres quand même de beaucoup de monde. C'est tout à l'heure, Isabelle nous annonçait qu'en 2100, on allait peut-être vers un scénario à plus 6 degrés en ville, avec des 50 degrés ressentis pendant les canicules. Quand est-ce qu'on s'y met pour faire cette canopée parisienne à laquelle on imagine tous, à laquelle on rêve? Il y a des villes hein, en Amérique du Sud qui l'ont fait bien longtemps avant nous, qui se sont lancées dans des canopées. Tout à l'heure, Anne, vous nous parliez justement des fosses de Stockholm. Là, il y a eu des grands projets d'aménagement dans la ville et dans le Grand Paris également. Ces fosses de Stockholm, donc c'est ce grand réseau de canalisation qui permettrait d'accueillir de l'eau, elles ne sont pas là. On a fait des pistes cyclables, on n'a pas fait de fosses de Stockholm. Cette grande canopée qui pourra nous protéger en 2100, on la commence quand? On est en 2023. Je voudrais dire un mot parce que quand j'étais vice-président de la métropole, j'ai fait un choix différent. Votre choix est construit et argumenté. Moi, j'ai fait le choix de dire on est dans un tel déficit, une telle situation de retard qu'il faut soutenir, pour ma part, c'est un choix politique, tous les projets, quels qu'ils soient. Et puis, au fond, on les testera. Ce qu'on doit faire, c'est les accompagner, les analyser et en mesurer la pertinence. C'est vrai aussi, d'ailleurs, pour les essences. Parce qu'objectivement, il y a un problème. On a des essences qui se trouvent mal avec le réchauffement climatique et d'autres qui, sans doute, s'accoutumeront volontiers de la région parisienne. Donc, moi, je pense qu'on a, à ce niveau de déficit, on doit saisir les opportunités qui existent. Il y a un sujet de contradiction des usages. C'est-à-dire que quand on parle de nature, la plupart des citadins, je disais tout à l'heure, j'avais une absolue confiance en eux, pensent d'abord aussi aux usages humains dans la nature. Donc des parcs avec des bancs, avec des endroits où on puisse jouer au ballon, etc., qui est une demande très importante pour des urbains qui vivent quand même dans une densité incroyable, dans des logements plutôt de plus en plus petits. Le logement ne cesse de rétrécir dans la métropole du Grand Paris. Donc il y a un sujet d'usage que les forêts Miyazaki ne permettent pas. Mais on peut aussi tolérer qu'il y ait des endroits où il y ait des usages interdits aux humains. C'est pas scandaleux. Moi, par exemple, j'avais proposé ça sur la plupart des carrières de gypse. Vous savez, on a beaucoup d'endroits où il y a des carrières de gypse. Il y en avait une grande à Romainville, par exemple. Quand vous voulez construire sur des carrières de gypse, vous êtes obligé de construire très très dense parce que ça coûte tellement cher de consolider le sous-sol que rien n'est rentable sauf si vous montez déjà dans des hauteurs très importantes. Donc moi j'avais dit on va inverser, on va dire partout on a une carrière de gypse, au fond on a un parc en devenir ou un espace de nature en devenir, disons aux promoteurs cet espace n'est pas pour vous et on va remettre ici un espace de fraîcheur dans la ville, disons profitons de ce qui paraît être un désagrément pour en faire un agrément. Donc je crois que le débat il est ouvert parce que quand vous regardez on est à 80% d'imperméabilisation, je pense, d'imperméabilisation des sols, ça n'est pas vrai qu'à plus 4 ou plus 5 degrés, on pourra vivre correctement dans la métropole. Paris, à 50 degrés l'été, ce sera invivable. Or, qui reste? Beaucoup de gens ont une maison de campagne. Notre pays souffre aussi de ça, d'ailleurs. La perte des terres agricoles, c'est souvent la deuxième ou la troisième maison. Au passage à Paris, la moitié des propriétaires sont propriétaires de plusieurs appartements. C'est-à-dire que ce n'est pas non plus le logement pour chaque famille. C'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup plus de multipropriétaires qu'il n'y a de locataires. Donc on a une vraie réflexion sur ce sujet et sur la façon dont on remet plus de villes. Bon, on ne fera pas, c'était Allais qui disait l'idéal serait de mettre les villes à la campagne pour qu'elles soient mieux. Bon, cette contradiction, elle est permanente dans la ville. Il n'empêche, je pense qu'on est allé beaucoup trop loin dans la minéralisation, c'était les années de l'automobile, etc., comme on est allé beaucoup trop loin dans le gaspillage de l'eau pluviale. On a des risques d'inondation par les intempéries, d'ailleurs les dernières inondations dans la métropole du Grand Paris, c'était des inondations estivales sur des pluies, j'allais dire torrentielles en tous les cas, sur des pluies très fortes au mois de juin, au mois de juillet. Donc il faut aussi qu'on apprenne à conserver
l'eau pour les ramener dans les sols. Moi, je me permets une remarque sur le dialogue public-privé qui me tient beaucoup à cœur parce que j'étais maire et je sais que la puissance publique ne peut pas tout faire non plus dans l'aménagement de la ville. Par exemple, les promoteurs privés ont en général la tentation de construire un bâtiment et de mettre la nature au milieu. Comme ça, tous leurs copropriétaires vont bénéficier d'un bout de nature. Mais si vous faites ça partout, eh bien, vous n'avez plus aucune continuité écologique. Et donc, les questions de la biodiversité sont aussi importantes que les questions des arbres. C'est un ensemble vivant, c'est un système, et il faut donc nourrir cet écosystème et lui permettre de se retrouver. Donc moi, je demandais, par exemple, aux promoteurs d'avoir un lien avec les trames vertes de la ville ou la trame de la Bièvre réouverte dans notre ville. Donc plutôt d'ouvrir leurs espaces verts sur l'extérieur et sur l'espace public, plutôt que de s'enfermer dans les espaces publics. Donc, je pense qu'il y a comme ça, on est quand même dans une période, et je finis là-dessus, où il y a beaucoup de progrès des connaissances, beaucoup de progrès des savoir-faire, beaucoup de partage, et au fond, merci le débat de ce soir, moi j'ai appris encore beaucoup de choses, et je pense qu'on en a beaucoup à apprendre. Partageons ces expériences, mais faisons-les. De toute façon, il n'y aura aucune expérience. Vous savez, les seuls risques pour la métropole du Grand Paris sont les risques d'hyper-densification du bâti. Ce sont les risques de la rentabilisation à l'extrême de chaque mètre carré qui font que la nature en disparaît. Je pense qu'au fond, c'est moins grave de prendre un risque Miyazaki que de prendre un risque d'hyper-densification de la métropole. Encore une question. J'ai des questions dans la salle. Oui. Vous avez parlé d'engineering, vous avez parlé de beaucoup de choses, vous avez parlé des fausses bonnes idées, vous avez parlé d'éducation aussi. La fameuse forêt urbaine de la place de Catalogne, 9 millions, et sous les arbres, des brumisateurs. Hein. Comment est-ce qu'on fait pour éduquer ceux qui ont décidé là de l'autre côté? Comment est-ce qu'on fait pour allier toutes vos connaissances, tout ce dont vous parlez, et qui ne sont pas dans une grande métropole comme Paris? Comment est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, on a pu décider de ces fausses bonnes idées? Comment faire rentrer Plantécité à ceux qui décident dans notre grande capitale? C'est extrêmement compliqué parce que la fausse bonne idée, ou l'idée qu'on sort du chapeau comme ça, comment lutter contre quand c'est le maire de la capitale qui vous dit je veux ça? Et je pense que il arrive très souvent que les services techniques des villes s'arrachent les cheveux parce que une injonction de l'élu, du maire, ils sont obligés d'obtempérer, et quelquefois, malheureusement, les élus n'entendent pas, n'écoutent pas, ne veulent pas entendre. Alors, j'ai suivi un petit peu les histoires de forêts urbaines de Paris, là, et notamment celles qui devaient être plantées devant l'hôtel de ville, pas loin d'ici, là. Comment faire? Il n'y a que les associations de citadins, de citoyens, il n'y a que ça qui les font reculer. C'est-à-dire que c'est énormément d'énergie dépensée dans un sens et dans un autre, avec des arbitrages qui sont souvent pris un peu à la légère et un peu à la va-vite, et on va quand même faire une forêt urbaine, parce qu'il faut faire une forêt urbaine. Mais c'est... Bon, je pense que c'est la marque du temps. Où en fait, pour passer à une nouvelle économie, une nouvelle société, une nouvelle façon de vivre et une nouvelle façon de construire la ville, il faut parfois passer par la confrontation. Et malheureusement, dans notre pays, la confrontation est souvent violente et pas tellement dans la discussion et dans la négociation. J'ai pas mal d'exemples au Danemark où les choses se passent différemment. Il y a une culture de la concertation au Danemark qui est totalement différente. En Suisse aussi, par exemple. Pour chaque mini-projet, il y a une votation des habitants. On n'est pas dans cette culture-là. Et là, on est vraiment dans la confrontation.
Mais il faut que nous nous battions, il faut que vous vous battiez, il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer par tous les moyens quand on est contre. Mais avec des arguments techniquement ou arboricolement ou naturellement fondés. Ben, c'était même l'objectif de cette soirée, c'est de vous encourager à sauver les arbres. Au revoir, merci. Juste avant de se quitter, vous rappelez que le prochain Jeudi de l'écologie, toujours en partenariat et grâce à nos amis de la JJH, ce sera ici même le 18 janvier. C'est ça, le 18 janvier. Et on va parler de quoi ? On va parler des sols, les sols, la santé pour les humains. Donc un sujet très proche. Et puis également, avant juste de partir, à la sortie, vous trouverez le livre de Caroline Molly sur la table en vente. N'hésitez pas, vous pouvez passer, le feuilleter et vous saurez tout sur l'ombre des arbres et les arbres. Très bonne idée. Et oui. Voilà. Et on se retrouve en bas pour une bière.